Et pourquoi une chaussure? Ça c'est quoi? J'espère en tout cas que vous portez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je... je suis avec ma fille. J'ai une grande fille hein. Regardez ma fille. Elle est trop grande. Elle est même plus grande que moi. Elle est mannequin. Non, elle doit se présenter elle-même. N'est-ce pas? Bon. Cette fille du bruit parce que nous sommes dehors et on voulait profiter de l'air extérieur parce qu'on ne veut pas se confiner, c'est pas encore l'heure du confinement chez nous. Voilà. Donc aujourd'hui je suis avec ma fille, c'est ma nièce, c'est la fille de ma grande soeur. Bon bref, je la laisse se présenter. Vas-y, présente-toi. Comment tu t'appelles? Présente-toi. Je m'appelle Anne. Coucou, je suis Espoir Anna. Mais non, je suis habituée à me présenter à la Je veux mettre mes caractères à l'intérieur. C'est pas... Genre, je fais 1 mètre. C'est pas grave. Non, 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 vas-y, sois naturelle, vas-y. Coucou, je suis Espoir Anna, je fais 1m74. Je suis mannequin de mes temps libres et étudiante dans la faculté de droit à Marienburg. Et tu fais quelle... C'est par option à la faculté ou c'est comment? Non, pour l'instant, enfin, trop commun. Donc, nous tous, on fait le droit en général. On ne s'est pas encore focalisé sur une vraie branche. Genre, moi, dans 3 ans, je voudrais faire le droit des affaires. Mais pour l'instant, on fait le droit en général. Et pourquoi le droit des affaires? Parce que je voudrais défendre un jour être avocate pour des grandes entreprises. C'est avec ça que je voudrais gagner. D'accord. Et le mannequinat, comment ça se passe au Congo? Ça se passe pas vraiment bien parce qu'on a vraiment des critiques. Les gens se disent que c'est un métier juste pour les prostituées. On ne lui donne pas vraiment de la valeur. Par exemple, dans les pays occidentaux, c'est un métier. Prenons le cas de Kendall Jenner. Elle a une maison, elle a des voitures, elle a de l'argent. C'est grâce au mannequinat. Alors qu'au Congo, il n'y a pas vraiment un revenu fort. Voilà pourquoi les gens ne se focalisent pas dessus. Et puis, ils ne veulent pas le faire à cause des critiques. Genre, moi, j'ai arrêté pendant au moins 2 mois à cause des critiques. Genre, tu fais le mannequinat, tu vas te prostituer après. Ça m'a vraiment déçue. Après, je me suis dit, c'est un truc que j'aime, je ne devrais pas arrêter à cause des critiques des autres. D'accord. Et il y a beaucoup de mannequins à Brazzaville où, comme tu dis, c'est juste comme un passe-temps. C'est juste comme un passe-temps. Il y a d'autres qui se disent, ouais, c'est pas vraiment passion parce que la plupart des mannequins, à part le mannequinat, soit ils ont quelque chose, soit ils sont encore à l'école avec une autre branche. Donc c'est dans les temps libres, seulement leur temps libre qu'ils font souvent. D'accord. Et comment se passe l'université au Congo? Plutôt bien au début, mais avec la période des TD, t'es tout le temps à l'école, je suis là de 7h à 18h, c'est vraiment fatigant. Là, je me dis que je sautais après l'obtention de mon bac. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'étais heureuse, mais là, c'est pas que je suis déçue, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Après, je me dis que je me moquais des grands frères dans les années précédentes qui arrêtaient l'université alors que c'était à cause de ces difficultés. Il faut toujours avoir de l'argent à cause des photocopies pour le manger. Et puis, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Il faut beaucoup lire, vraiment, vraiment. Et c'est un peu difficile. On me disait souvent que, pas on me disait, parce que moi-même quand j'étais à l'université, les professeurs parfois ne vous montraient pas tout. Ils vous disaient que c'était aux étudiants de faire leurs propres recherches. Eux, ils donnaient une partie et puis vous allez faire vos recherches. C'est toujours comme ça? Non. Maintenant, on donne, mais toujours il faut aller rechercher parce qu'on ne vous donne pas vraiment. On vous donne juste un petit résumé. D'accord. Mais il faut aller chercher plus sur Internet et tout, aller voir des personnes qui sont passées par cette branche et cette classe, leur demander des cahiers, relire, comparer et tout. Et est-ce que les TD sont toujours payants? Moi, quand je suis passée à l'université, c'était payant. C'est gratuit. C'est gratuit, hein? D'accord. Donc, en fait, la difficulté, c'est juste les photocopies de tous les jours. Les photocopies et le temps. Parce que tu peux te dire au début, bon, j'ai l'université, j'ai peut-être pas un parent à Brazzaville, je vais faire un petit business et tout. Mais après, quand c'est la période de TD, tu as plus le temps. T'es tout le temps à l'école et après ça empêche plusieurs personnes financièrement parce qu'ils n'ont plus d'argent pour les photocopies et plus le temps pour aller faire autre chose pour se trouver cet argent. Et surtout si vous n'avez pas des parents, ça devient vraiment compliqué parce que vous avez tout votre temps à l'école. Et toi, comment tu te débrouilles pour faire les photocopies? J'ai un petit commerce à la maison, je fais des sticky, des petits trucs à base de farine pour avoir de l'argent.
ce sont les patachous, les cuisses d'âne, les gratanias. Et ça te rapporte quand même quelque chose? Oui, oui, ça m'aide vraiment parce que sans ça, je me dis que j'allais vraiment, vraiment, vraiment déranger les parents. Et il y a un certain moment, avec la marche du pays, vu qu'on dit que chez nous, il y a la crise économique, ça allait vraiment plus marcher. Donc j'allais dans l'obligation peut-être d'arrêter les études pour aller me chercher un boulot, mais ça m'aide vraiment. Et est-ce que le mannequinat aussi t'aide à avoir quelque chose pour pouvoir subvenir à tes besoins ou pas encore? Pas encore. Je persévère parce que on peut pas arrêter juste parce que on a eu un petit obstacle. Il faut toujours continuer. Donc je continue et je m'attends à ce que ma carrière en mannequinat soit favorisante dans les années à venir. Et quelles sont les mensurations qu'il faut avoir pour être mannequin? Il faut faire quelle taille, quel tour de poitrine, bref. Il faut avoir 1m70. Vraiment, c'est 1m70 maximum pour les filles. D'accord. Et au moins 1m68 minimum. Donc après, il ne faut pas être vraiment grosse, il faut avoir vraiment des gros seins. Pas comme nous, quoi. Non, pas comme nous. Comment tu fais ce mannequin, maman Kilo? Donc tu veux dire que moi je suis grosse? Non, mais pas vraiment, mais... Donc moi je peux faire, si je peux faire maman Kilo... Il y a une différence. Mais si je peux faire maman Kilo, ça veut dire que je suis vraiment forte. Ah bon? Donc je suis forte ou quoi? C'est vrai. Je veux plus me nourrir pendant un mois. J'avais une autre question. Tu sais, en mon temps, non pas en mon temps, bon, quand j'étais encore très jeune, je pouvais pas. En mon temps, quand j'étais plus jeune, je pouvais pas mettre de la couleur sur mes cheveux parce que sinon, déjà de un, les gens dans la rue devaient me traiter de prostituée. On avait peur du regard des autres et de deux, bah, les parents ne devaient pas accepter. Toi, on n'a rien dit. Ça a été un peu dur de la convaincre, mais après, elle sait que je suis responsable. Et puis, je me fie plus trop aux critiques des autres parce que la vie des gens, c'est pas trop mon problème. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et ben, c'est ma vie. Je dois la mener comme je l'entends parce que c'est pas la vie de l'autre. Il n'y a pas de brouillon, il faut que je la vive à 100% parce que je ne sais pas, peut-être que demain, je ne vais pas me réveiller. C'est ma fille, ça. Une femme forte de caractère, c'est ça les femmes d'aujourd'hui, c'est tellement beau. C'est tellement beau de voir une jeune fille s'assumer, assumer ses choix, sachant que ce sont des bons choix, sachant qu'elle ne fait du tort à personne, qu'elle ne fait du mal à personne, mais elle vit simplement, elle vit sa vie parce qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas de brouillon, qu'on ne vit qu'une seule fois et que demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qui nous appartient et comme aujourd'hui nous appartient, ben faisons ce qui nous fait plaisir, faisons ce qui nous enjaille, comme disent les Ivoiriens, faisons ce qui... ce qui nous fait danser, voilà, voilà, voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vais quand même la filmer en train de défiler. Elle va m'apprendre comment les mannequins défilent. C'est pas grave, on va défiler comme ça. On va défiler et puis j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas un pouce en l'air, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sinon, elle va me montrer comment on défile. On y va. Oui. C'est quoi? Mamie! Eh, Jésus! Ça fait trop beau, les gars! Je pense que le monde a gagné!